Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui toujours dans ce petit bureau qui avance plutôt bien où les agglos mais également donc toute la partie coffrage a été effectuée. Maintenant on va pouvoir s'occuper donc de la partie raillage. Là on est juste venu donc régler notre mètre laser, enfin notre niveau laser, et on va pouvoir installer donc notre plafond suspendu. Je vais également rajouter quelques poutres pour pouvoir supporter le plafond, et après on pourra s'occuper des murs et si on est motivé même de l'isolation. Bon, j'en profite de me servir de tous les bastings que j'ai récupérés dans le chai pour pouvoir donc m'en servir après pour la rénovation. Alors bon, ils sont pas forcément très très jolis, mais pourtant le bois est bien sec, bien solide. Le problème c'est que je choisis pas forcément mes sections, donc là j'ai besoin de deux sections bien plus petites. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement le déligner sur la totalité pour avoir mes deux bois, et après comme ça on pourra donc s'en servir pour pouvoir fixer nos semelles et nos montants pour réaliser notre plafond. Et comme vous l'avez constaté sur les dernières vidéos, mais également sur celle-ci, en ce moment j'ai l'aide d'un ami qui vient m'aider donc régulièrement sur le chantier. Alors ça fait vraiment du bien d'avoir un petit peu de renfort, surtout pour certaines tâches où c'est bien plus facile de travailler à deux. Habituellement je travaille tout seul et honnêtement c'est une grosse épine du pied quand on travaille à deux. Et mine de rien, il faudra bien un jour ou l'autre de toute façon que je me débrouille tout seul pour cette rénovation. Mais en attendant, toute l'aide est la bienvenue et j'en profite un maximum. Je le présente pas trop à la caméra, il est pas forcément à l'aise avec celle-ci. Mais le principal en tout cas, c'est que le boulot avance. Puis on installe toutes nos semelles au sol et au plafond pour pouvoir installer nos montants. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Hier, on a bien avancé, on a bien raillé. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on arrive donc à terminer de railler, mais surtout d'isoler, passer d'électricité, donc pas mal de boulot. Et surtout, on ne peut pas régler donc les rails au niveau de la fenêtre et de la porte tant qu'on n'a pas installé celle-ci. Donc là, tout de suite, on va s'occuper d'installer cette fenêtre. Moi, je vais tout simplement enlever les battants, installer le cadre, et puis après, on pourra donc s'occuper de finir le raillage tout autour. Donc on s'occupe de ça, mais ça fait déjà un sacré beau morceau, une belle fenêtre de 140 sur 115. Honnêtement, pour cette pièce en plus qui est pas trop large, ça va vraiment donner pas mal de luminosité. Ça va être très sympa. Bon allez, tout de suite, on attaque. Nouvelle journée, on essaie d'avancer.
Maintenant que tout est raillé, on peut passer à la meilleure étape de la rénovation, à savoir l'isolation à la laine de verre. Bien sûr, je rigole, pire étape, ça gratte, ça pique. Bon, les murs, ça reste assez correct, mais alors le plafond, c'est une vraie galère. Et vu que je suis pas très bon en calcul, obligé de retourner directement au magasin, racheter des rouleaux de laine de verre, car je n'avais pas assez commandé pour pouvoir réaliser cette pièce. Et voilà, un bureau tout propre, tout raillé, tout isolé. Maintenant, le placo dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je prépare une vidéo spéciale FAQ pour répondre à toutes vos questions. Il y a énormément de questions qui reviennent régulièrement que je veux prendre le temps de répondre dans une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à une prochaine vidéo.